Allô tout le monde, c'est Ariane. J'espère que vous allez bien. Je voudrais dire bienvenue à tout le monde qui est nouveau sur ma chaîne. Je suis tellement contente que vous soyez là. On est maintenant rendu 700 abonnés sur ma chaîne. C'est juste malade. Je vous remercie du fond du cœur. Je capote, j'ai aucun mot. J'en reviens juste pas d'être rendue à 700 abonnés. C'est tellement tout pour moi. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Donc, aujourd'hui, ce que je vous fais, c'est une vidéo vraiment colorée. C'est trois déjeuners super faciles à réaliser et qui sont vraiment colorés. Alors, c'est vraiment le fun à les réaliser. J'espère que vous allez avoir du fun à regarder cette vidéo-là. On va commencer maintenant pour pas que ça soit trop long. Donc, on commence maintenant! Donc, la première recette, ça s'appelle des pizzas aux fruits. Donc, vous allez avoir besoin de bagels, de fromage à la crème. Moi, j'ai pris au chocolat parce que j'aime vraiment ce côté sucré-là. De fruits de... Donc, c'est vraiment important de venir couper vos fruits en très petits morceaux, comme ça, ça va être plus facile à décorer après. Donc, pourquoi on veut faire des petits morceaux? C'est vraiment pour que ça soit facile à placer, pour que ça soit vraiment comme une pizza après. Donc, vous allez venir griller vos bagels. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'aime ça. J'aime un peu plus ça griller. Ensuite, vous allez venir mettre le fromage à la crème. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Vous pouvez mettre du Nutella, du fromage à la crème régulier. Vous pouvez vraiment laisser votre imagination aller. Donc moi, j'en mets vraiment partout parce que j'aime vraiment ça. Puis je suis vraiment gourmande. Ensuite, on va venir placer les fruits en fonction que ça a l'air vraiment d'une pizza. Vous pouvez vraiment y aller comme vous voulez, mais ça fait plus beau pour les photos Instagram. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça, c'est vraiment simple à réaliser et c'est vraiment bon là. Je vous le jure, j'ai adoré cette recette-là, je vais me la refaire, c'est sûr, plein de fois, c'est juste trop bon! Donc pour la deuxième recette, vous allez avoir besoin dans le fond d'amandes émincées, de petits chocolats, de pommes, de soit granola ou céréales. Et moi j'ai pris du Reese tartinade au lieu du Nutella, mais vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Donc la deuxième recette, c'est des pommes croquantes. Donc ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut vraiment les décorer comme qu'on veut. Donc moi, je suis venue couper mes pommes vraiment en petites languettes pour être capable de vraiment bien décorer, de mettre ça dans une assiette puis pour que tout le monde pige dedans. Ça fait plus mignon puis c'est vraiment bon comme ça. Donc maintenant, c'est la partie la plus amusante, c'est là qu'on va venir décorer nos pommes. Donc vous venez mettre la tartinade et ensuite on vient vraiment mettre les ingrédients qu'on a choisis.
Donc moi, je suis venue prendre mes céréales puis je les ai écrasées un petit peu pour que ça soit plus facile, que ça colle bien sur mes pommes. J'en ai quand même mis beaucoup pour que ça reste un petit peu santé. On s'avoue qu'avec la tartinade, ça fait moins santé. Mais là, vu qu'on vient rajouter ça, ça donne un petit côté plus santé puis on sent moins mal aussi. Et je suis venue mettre les amandes et les petites pépites de chocolat. Donc cette recette-là est vraiment amusante à faire. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment la partager avec tout le monde. Donc c'est vraiment ça qui est cool. Puis c'est super bon. Vraiment, là, j'adore cette recette. Pour la troisième recette, ça va être un smoothie bowl qu'on dit en anglais. Donc vous allez avoir besoin de framboises congelées, de lait de coco et de bananes. On vient mettre le lait de coco et j'en avais pas mis assez, désolée, vous allez voir, je vais en remettre un petit peu plus après. On vient mettre les framboises congelées, la quantité qu'on veut, la banane et ensuite je suis venue rajouter un petit peu de yogourt grec aussi qui a la banane, donc je me suis dit que ça allait faire un bon mélange. Vous voyez, je rajoute du lait de coco parce que c'était pas assez liquide et du lait pour encore plus liquifier mon smoothie. Donc on vient mélanger, on mélange bien et on vient verser dans un bol. Puis maintenant, la partie la plus amusante, c'est de venir décorer. Donc encore une fois, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, ce qu'on retrouve aussi dans notre garde-manger. Donc j'ai mis mes céréales, des amandes émincées et je vais mettre aussi des fruits. Donc je viens couper mes fruits. Donc j'ai mis bananes et fraises et j'ai oublié de mettre mes bleuets, bien évidemment, ça c'est bien moi. Donc cette recette-là, c'est vraiment une de mes préférées parce que premièrement, c'est trop bon au goût et c'est super beau. Ça fait vraiment des belles photos Instagram. Vraiment, là, ça donne le goût de déjeuner le matin. Donc on vient décorer comme qu'on veut, comme qu'on le sent, on se laisse créatif. Et voilà, donc pour mon smoothie bowl, je le trouve trop beau et c'était super bon, donc je vous le recommande vraiment, c'est ma recette préférée. Donc et voilà pour les trois recettes de déjeuner, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là et on se retrouve.